On se retrouve pour la présentation de l'avant-dernière collection de chez Scrap Boy. Cette collection n'est pas une nouveauté chez eux, mais pour moi, c'est une nouveauté pour la boutique. Je n'ai pas pris le format en 20-20. Vous l'avez seulement en 30,5 par 30,5. Donc, toujours 190 grammes. Regardez, vous pouvez encore la sortir aussi avec ce bloc. C'est pour ça que je l'ai laissé sur la table. Alors là, c'est Fairyland. Donc, on est dans le monde des fées. Donc déjà, j'aime beaucoup les teintes, les fonds avec des petites étoiles, des ciels, du texte, de la calligraphie légère sur des fonds de nuages aquarellés. Ça amène de la douceur. Donc là, on a tous ces embellissements qui vont avec à découper. Là, on a... Ah, c'est joli. Alors, je découvre avec vous parce que j'ai pas ouvert les paquets. Donc, on a des branches avec des lampes, la lune, des petits oiseaux, des fleurs blanches. Pensez aux petites fleurs blanches, d'ailleurs, pour rehausser. Et ici, un monde avec des champignons et puis des elfes. Donc, les petites fées, là, elles font des bisous aux lapins. Il y a ces petites maisons champignons. C'est vraiment très mignon. Et alors... Les fonds derrière, superbe, superbe, très doux, très 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 doux. Donc ça c'est la première page, donc deux fois. Ensuite vous avez ici, donc la tasse à thé, la maison tasse à thé qui est renversée pour faire le toit de la maison. Une maison champignon au loin, une petite fée en feuilles d'arbre qui danse. Et une petite lune avec encore une fée. À l'arrière, une écriture sur un blanche sur un fond pastel rose foncé. Là, on a une forme un peu presque de cœur avec des rayures sur ce fond-là, des étoiles dans les nuages et des petites fées. Et je vous montre en détail. Alors c'est vrai que ça pourrait faire un thème d'automne aussi, avec des feuilles, des rouges orangés, des fleurs un petit peu rouges. Regardez ce beau dégradé là. Ah, c'est superbe, hein? Alors cette page là, après deux, comme ceci, avec des fleurs dans les tons. Après deux avec les quatre grandes étiquettes. Quatre grandes étiquettes avec les sujets. Regardez, c'est mignon, ce Bambi, ce petite biche. Toujours des oiseaux, des champignons. Ah, c'est très mignon. Une nuit étoilée. Regardez ça, avec un dégradé. C'est très joli. Ensuite, on a des petits pois sur un fond vert. Et ensuite, les six étiquettes. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, je trouve que cette collection est ravissante. Donc voilà, bon, il n'y en a pas beaucoup dans la boutique, hein, je vous le dis, j'en ai pas pris beaucoup. Je voulais vraiment les voir vous les proposer parce que c'est un thème qui change. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est les vacances, on a beaucoup nos petits-enfants, donc faire un album avec eux, pourquoi pas. Donc évidemment, vous avez plein d'embellissements assortis dans la boutique. Là, je ne vous sors pas encore tout ce qui va avec, mais fouillez dans la boutique, fouillez dans les soldes également. Il y a encore des choses qui peuvent aller avec. Voilà, des petites choses à rajouter. Eh bien, je vous abandonne et vous retrouve pour une dernière vidéo, vraiment la dernière collection que j'ai prise de la marque. Et je vous remercie toujours de me suivre, c'est toujours un plaisir. À tout à l'heure.